En France, les inondations, c'est 800 millions d'euros de dommages par an. Il est prévu une augmentation de ces dommages de 150% à l'horizon 2050. Vigirisk est un hyperviseur des risques inondations. Vigirisk, c'est un logiciel participatif et connecté. Il a été développé par le groupe Aegis, fort de 70 ans d'expérience dans le domaine de l'ingénierie de l'eau, et la start-up niçoise UbiPlace, experte en traitement des données numériques. Concrètement, l'outil collecte des données de terrain issues de capteurs qui peuvent être des stations de suivi de cours d'eau ou des images de vidéosurveillance, mais aussi des citoyens, notamment via l'utilisation des réseaux sociaux. Et on va ensuite donc traiter les informations de hauteur d'eau qui nous sont remontées pour les valoriser au travers d'une intelligence artificielle qui en fait une véritable cartographie dynamique des zones inondables. L'étape d'après, elle consiste à croiser ces zones inondées avec des données d'enjeu qui peuvent être des bâtiments ou des infrastructures sensibles. Cela permet d'identifier les secteurs les plus impactés en fonction de leur vulnérabilité et en fonction des dommages associés. Et tout ça, ça permet donc de préconiser des actions automatiques de gestion de crise destinées aux acteurs du risque, qui peuvent être les mairies, les services de secours. Un exemple d'action, ça pourrait être de fermer une route ou d'évacuer un bâtiment sensible. Tout en sachant que nos équipes d'ingénieurs restent mobilisées durant toute la crise pour aider les acteurs dans leur prise de décision. Et Vigirisk ne s'arrête pas là, puisqu'on est en mesure d'utiliser ces données au travers de retours d'expérience pour mettre en place également des plans d'action pour réduire la vulnérabilité des territoires.